La Guinée la mine fait torré. On a la mine tape. Premier début, faites ta sorte que les réunions de tous les responsables, parce qu'on a redynamisé le parti, que les réunions se tiennent pour que les messages qu'on va vous envoyer arrivent à temps. On va assembler vous les têtes des responsables pour assister au message de réanimation à la cour base de la Yandi, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il me semble que le CNRD se comporte comme des enfants dans une école primaire qui sont sortis à récréation et qui ne veulent pas rentrer en classe pour suivre les cours. Ça, c'était le 5 septembre. Maintenant qu'ils sont dans la récréation, ils ne veulent pas rentrer en classe pour suivre les cours. Ça me rappelle quand j'étais tout petit à Kaloum. Il y avait un journaliste, je me rappelle de lui, Emmanuel Kati. Nakanu Bogale va filmer ma bandera. Les CNRD se comportent comme des Bogolais. Il faut qu'ils évitent ça. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Une transition et les politiques. Elle demande une démarche. Si vous ne faites rien pendant les 8 mois et on impulse ça à quelqu'un d'autre, on dit à nos professeurs Namou pour vivre pas. Professeur Namou, c'était à Namou pour la gagne, on va sur classe, oui. Namou Fama, c'est pas ça. Il faut qu'ils évitent de blaguer. Parce que tout ce qu'ils préparent, on voit plus loin que ça. Tout ce qu'ils manigagent, on voit plus loin que ça. J'ai dit bien que le CNRD est sur un terrain politique. Ça, c'est notre milieu, ça. Ils sont en train de jouer dans notre terrain. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont qu'à été. C'est pas leur affaire ça. Terminer la transition, laisser les politiciens faire leur travail. Installer les institutions constitutionnelles avec nous. Vous allez vous occuper de la protection des citoyens et de leur bien. C'est ça votre travail. C'est pas gérer un État. C'est pas gérer un État. Où allez-vous? Je vous conseille parce que je vous aime. Sinon, la fin sera difficile pour vous. Je ne mets pas ça pour vous. Et c'est pourquoi je vous conseille. Mais généralement, ceux qui conseillent sont mal perçus. Parce que ceux-là qu'on conseille sont dans la jouissance, dans l'extase du pouvoir, dans la jouissance des biens de l'État, pensant que des manigances et des combines peuvent les amener à une destination. Non, ça sera difficile la fin. Ça sera compliqué pour vous. Vous le regretterez
Et à ce moment, vous allez dire, et si je savais? Et si je savais, c'est trop tard. Et c'est pourquoi il faut suivre mes conseils. Il faut que Doumbouya reprenne la main. Je l'ai dit depuis. Reprends la main. Sors de cette situation parce que c'est compliqué. Il y a des petites personnes qui sont autour, qui te font savoir que tu peux tout faire. Parce qu'ils sont en train de tirer profit de ta présence. Tu deviens leur manteau. Ils sont en train de t'induire en erreur, mais ils profitent. Et demain, tu seras le seul responsable de ça. Et quelques personnes qui sont du CNRD. Je vais te faire éviter ça. Comme il y avait conseillé à Alpha Condé, il a refusé d'accepter. Si Diatouré a dit quelque chose de fondamental, il dit, on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Filez la main à Finkari Yari. Ils n'ont pas fait vite la bande à la. On a eu un homme à Dogoda à Ouma. Ou bien, on a eu un homme à Dogoda à Té. Il nous donnera Té, il t'a convenu. Parce qu'il n'a pas rien à courir avant la guerre, il n'a pas courir. Donc, sur ce, il faut qu'ils évitent la récréation. 8 mois de récréation, déjà, c'est trop. C'est exagéré. Ils sont venus pour une cause. Et ils nous ont demandé des mémos. Nous avons déposé ça à table, après la rencontre du 14 septembre, je crois. Ils n'ont pas tenu compte, ils ont fait une charte à eux-mêmes, parce qu'ils ont des intellectuels soi-disant, qui ont fait une charte. Nous ne étions pas d'accord, mais nous avons accepté la bonne marche de la transition. Vous vous rappelez, dans la charte, la manière dont ils ont voulu mélanger la population et les politiciens. Et c'est nous qui refusons que le CNT s'installe. Comment nous on peut refuser que la transition avance? Nous nous sommes retrouvés, on a fait un accord pour amener des gens au CNT. Même ça, ils n'ont pas respecté la procédure. On a dit à nos enfants, c'est pour le bien qu'on le fait. L'article 77 que eux-mêmes nous ont écrit, c'est eux-mêmes. On n'a pas tenu la main de quelqu'un pour écrire l'article 77. On vous dit, dans l'article 77, quoi nous avons accepté, que c'est les forces vives et le CNRD qui doivent déterminer la durée de la transition. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les membres du CNRD. On vient de savoir, hein, c'est ajouté parce que hier, il a déclaré ouvertement qu'il est membre du CNRD. C'est le fameux président du CNRD. Donc on sait que lui aussi, il fait partie du CNRD désormais. On est en train de les connaître goutte à goutte. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre qui sont. On ne sait pas si c'est des anges ou c'est des démons. On ne connaît pas. On connaît quelques personnes partout. Et c'est là où c'est pas propre. Fais la seigneur. Hiwa fait la seigneur, il te l'enseignement. Hiwa fait la filet, il te l'enseignement. Voilà la CNRD, c'est un comité. Encore, l'article 37 est clair. Mais il faut que le nom soit connu, les gens soient connus. Mais s'ils ne donnent pas leur nom, bientôt, nous, on va donner leur nom. Je vous garantis, s'ils ne donnent pas leur nom du CNRD, bientôt, nous allons lister les membres du CNRD. Et on va donner à l'opinion nationale, internationale. Parce que c'est obligatoire qu'ils nous donnent ça. C'est les forces vives et le CNRD qui doivent déterminer.
les organes de transition sont quoi? C'est le CNRD, le gouvernement, le CNT. On est d'accord? Mais le CNT n'est pas un organe capable d'ouvrir le dialogue parce que c'est un organe de transition. Ils ne sont pas la force, les forces vives. Deuxièmement, le ministre de l'administration du territoire qui donne le chronogramme est dans le gouvernement. Le gouvernement n'est pas habilité à donner les chronogrammes parce qu'ils ne sont pas CNRD. Seul le CNRD doit, avec les forces vives, donner un chronogramme. Donc, le 39 mois là, c'est nul et que nul est fait. S'ils considèrent que ça, c'est qu'ils ont violé la charte. S'ils considèrent que c'est comme ça que ça doit se faire, ils ont violé la charte. Et on nous dit qu'ils sont venus pour ne pas que ce qui est habituel. Violation de la Constitution, violation des lois, ne se répète dans le pays. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate jusque-là. À beaucoup d'endroits, la charte a été violée. De la composition du CNRD jusqu'à ce chronogramme qu'on vient de nous donner. C'est des violations plus récentes. Arrêtez ça, vous n'êtes pas à récréation. Vous gérez des hommes. C'est 12 millions de Guinéens qu'on doit gérer là. C'est 12 millions d'âmes qui veulent avoir un développement. Et pour que cela soit, il faut quelqu'un, non seulement qui a la tête sur les épaules, qui a une expérience, qui sait, qui a un projet de société, qui sait amener le pays dans un développement. On a raté le coche avec Alpha Condé, parce que malheureusement, les Guinéens ont choisi quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Si on avait choisi Sidi Touré, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Qui entend les gens dire que le chronogramme pour faire le fichier électoral, il faut tel nombre de mois, il faut tel nombre de mois. C'est pourquoi nous sommes à 39 mois. Dites-moi, il y a un jeune intellectuel du parti digne qui était dans une radio ce matin. J'ai apprécié cette partie. Si au lendemain de Alpha Condé, de l'élection de Alpha Condé, il mourait. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est dans les 90 jours qu'il faut organiser des élections. Ou bien? Arrêtez de blaguer avec les Guinéens. Arrêtez de jouer avec le peuple. Parce que si vous jouez avec le peuple, il y a eu tellement de sang versé, il y a eu tellement de sacrifices dans ce pays. Si vous faites des petits calculs, vous le regretterez. Et je vous jure, sur mes barres, sur les deux saints de mes parents, sur la vie de nos ancêtres, à tous les Guinéens, vous le regretterez amèrement. Je ne souhaite pas ça pour vous. Alors ne calculez pas. Allez-y, droit au but. C'est le conseil que je donne à M. Doumbouya, colonel. Comprends, colonel Mamadi Doumbouya. Comprends mon souci. J'aime tellement que tu sortes par la grande porte. Mais les esprits maléfiques risquent d'emporter sur mes propos. Et c'est ce que je ne souhaite pas. Et quand Satan s'empare des gens de bonne intention, ils font des trucs insensés. Et c'est ce que je ne veux pas pour lui. Et c'est pourquoi je conseille. Les discours qu'il a tenus quand il est arrivé au pouvoir, c'est ce qui a amené tous les Guinéens à le soutenir. Mais depuis quelque temps, on a mis ces discours de côté pour faire autre chose. Je ne suis pas, par exemple, regardez ce qui se passe dans le déguerpissement des Guinéens. C'est des Guinéens que tu gères. Je ne suis pas contre que l'État récupère les biens qui l'appartiennent. Mais avant qu'il y ait un autre État, pour une question d'agglomération, ils doivent demander à ce que les gens s'approchent de l'administration. Ils ont vendu certains nombres de terres. Allez-y à Zéricourie. C'est ce qui a fait que la population
est arrivé dans la ville. Parce que les villageois avaient fui. Les colons avaient pris des terres. Qui est le propriétaire originel de la terre? C'est les autochtones. C'est eux qui ont cédé une partie aux colons. Si vous dites que ce qui appartient aux colons, appartient à l'État, nous ne sommes pas contre. Mais rendez-vous compte que vous êtes en train de gérer des hommes. L'État, le gouvernement, est d'abord social. Doit gérer le social. Et c'est ce que vous ne faites pas actuellement. Demandez en 2 semaines une famille qui a vécu pendant 40 ans quelque part de quitter, pose des dégâts plus que ça n'a résolu. Parce que vous créez des bandits. Vous êtes en train de créer des enfants délinquants. Et qui va les récupérer demain? Car ils ne seront plus à l'école parce que le papa est en train de chercher un logement. Il ne peut pas subvenir à leur transport. Il faut réfléchir avant de faire certains trucs. L'État, pour des raisons sociales, peut se faire violence à des moments pour satisfaire la population. Et puis quand vous cassez tout ça, vous dites que vous allez construire. Mais c'est des Guinéens aussi que vous allez mettre dedans. Ce n'est pas d'autres personnes. Arrêtez. Arrêtez de jouer au populisme. Et ça ne vous arrangerait pas. Parce que vous êtes en train d'accroître le taux de frustration au sein de la population. Chacun a un parent quelque part. Chacun a un ami quelque part. Qui sera obligé de loger un moment ou d'aider à trouver un logement. Arrêtez. C'est pas comme ça qu'on est un peuple. Occupez-vous de ceux-là qui ont pris l'argent de l'État et nous apprécions déjà. Les crimes économiques, ils sont parfaitement d'accord. Ceux qui ont pris l'argent de l'État doivent rendre l'argent de l'État. Mais n'allez pas dans tous les sens. La transition doit être courte. Évitez ça. Donnez cette possibilité à un gouvernement légal, légitime, de faire le travail. J'entends des petits délinquants intellectuels dire que ce que les militaires peuvent faire, ainsi qu'ils ne peuvent pas faire. C'est faux. C'est archi faux. J'ai été au Nigeria, c'est un président démocratiquement élu. Il est en train de faire un travail sur les délinquants économiques. Il y a des maisons là-bas abandonnées par des gens qui détournaient des fonds. Mais arrêtez de penser à ça. Les trois piliers des plus qui ont gardé ce pays, les trois, je le répète, parce que ça me fait très mal. En premier lieu, c'est la justice qui ne faisait pas son travail. Deuxièmement, c'est l'administration du territoire qui était à frauder les élections dans ce pays. Au lieu de laisser les personnes légitimes briguer les postes de responsables électifs. C'est les deux deuxièmes. Le troisième, le plus important, c'est celui-là qui garantissait la dictature des chefs en Guinée. C'est les forces de défense et de sécurité. Parce que la dictature corrompt. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des généraux ici qui avaient des caisses d'argent. La preuve, quand ils ont pris le pouvoir, il y avait l'argent inondé à la Banque centrale parce que la dotation mensuelle des généraux, ils ne pouvaient plus revenir prendre ça, la Banque centrale, parce que la dictature corrompt. Et qui ont corrompu à l'époque? C'était les hommes en tenue pour détruire le pouvoir, intimider la population, aller même à tuer cette population. Il ne faut pas concevoir la face. Ce n'est pas les politiciens qui ont détruit ce pays. Surtout, ce n'est pas nous. Nous, on se battait pour que la démocratie existe. L'UFR s'est battu 20 ans, plus de 20 ans, pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait bonne gouvernance. On ne peut pas imputer ça à tous les politiciens. Il y a des petits politiciens de je suis d'accord, qui marchaient pour avoir le prix de sauce de gauche à droite. Et c'est eux-mêmes qui sont aujourd'hui encore au frais du CNRD en train de tirer et avoir mis 2000 dollars et dire que vous pouvez rester et ça nous arrange. Des petits politiciens, aucun niveau, ils savent sur le terrain peuvent rien gagner, ils s'adossent derrière une jeune
pour dire vous pouvez rester. Parce que autant que la jeune reste, autant qu'ils vont gagner 2 millions, 3 millions de francs. C'est tout. Ce n'est pas l'intérêt de la population qui les intéresse. Alors Mamadi, colonel Mamadi, fais attention à cela.